Bonjour à tous, je suis de retour avec un mini-vlog, mon petit séjour à Panama. Non, je ne suis pas en Afrique, pas au Congo, pas au village, mais en Amérique latine. Je vais passer 4 jours ici et vous montrer comment j'ai passé mes vacances ou quand vous êtes intéressé de visiter Panama. Dès mon arrivée à Panama City, la capitale, j'ai déposé mes affaires à l'hôtel et j'ai fait une petite balade dans le quartier pour voir à quoi ça ressemble ici. En tout cas, j'étais très surprise. Leur ville est très moderne, très développée et il y a plus de peuples indigènes, donc les vrais natifs américains, si je peux dire ça, que des latinos noirs, chose que je ne savais pas. J'étais un peu déçue au début parce que pour une fois, je voulais m'offrir des vraies vacances de luxe dans un bel hôtel, beau quartier avec piscine. Mais en ce moment, il y a des manifestations et c'est exactement là où se trouve mon hôtel, enfin l'hôtel que j'avais réservé. Donc, pas possible d'aller là-bas et j'ai atterri ici. C'est vrai qu'au début, j'étais très dégoûtée, mais je reste positif et c'est pas aussi grave. Et d'ailleurs, j'aime bien l'endroit où je suis maintenant. J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. J'ai quitté la vanne ce matin pour Panama. Et comme j'avais pas beaucoup dépensé pour le logement à Cuba, je me suis dit que pour Panama, je prendrais un hôtel avec une très belle vue et piscine. Donc, j'ai booké ça. Arrivé à Panama, à l'aéroport, j'ai pris un taxi. Je lui ai donné l'adresse pour me déposer. Et puis, le premier taximan, il a refusé. Je change. Deuxième, il refuse. Le troisième, il m'explique. Écoutez, madame, en ce moment ici, le pays va mal. On a des grèves, des manifestations qui se font exactement là où se trouve votre hôtel. So, les voitures ne rentrent pas là-bas. Ils vont brûler nos voitures si on passe par là. Et même pour vous en tant que touriste, ne passez pas par là parce que c'est dangereux. On vous conseille de changer d'hôtel. Mais pour moi, ce n'est pas possible parce que j'ai déjà booké. Okay? So, j'ai insisté. Il a dit, OK, il peut me déposer, mais pas exactement là-bas. Et moi-même, je me démerdais à pied pour arriver là-bas, quoi. J'ai dit, OK. Mais c'est vrai qu'arriver dans ce quartier, c'est en pleine ville, hein. C'est pas dans un ghetto, vraiment. Très, très bon endroit. Arrivé là-bas, il y avait des barrages partout. Il y avait la police partout. Et j'ai parlé avec la police. J'ai expliqué que je dois passer. Et puis, ils m'ont dit que non, vous ne pouvez pas parce que c'est dangereux et vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas, vous pouvez pas. Ah, la frustration. My God. Well, il y avait un café juste à côté avec la Wi-Fi, donc je me suis connectée. J'ai cherché un autre hôtel, mais j'étais pas bien. Et le taximen, le pauvre papa, il a voulu m'aider. Il a dit, écoutez, madame, il y a un hôtel juste à côté. Ils sont très moins chers. Si vous voulez, je vous accompagne. J'ai dit, OK. Donc, il m'a accompagnée et j'ai payé. J'étais un peu trop pressée au lieu de visiter d'abord. Juste pour vous donner un exemple où je suis. Je suis dans... Le quartier où je suis, ça ressemble un peu à Château Rouge. De Panama maintenant. Pas de Paris, mais de Panama, OK? Sous l'émotion. J'ai même pas visité la chambre et... Je suis déçue parce que c'est pas ce que j'ai voulu, c'est pas ce que je voulais, mais bon. Juste après, je suis descendue. J'ai dit, bon, je vais visiter le quartier et tout et tout. Je sais pas pourquoi, mais au début, j'étais choquée. J'étais choquée. Enfin, les premiers 10 minutes, j'étais vraiment, oh, qu'est-ce que je fais ici? Mais après, j'ai continué à marcher. J'ai marché, j'ai visité un peu le quartier. Il y a un grand marché ici, il y a tout. Il y a tout. Il y a KFC, il y a McDo, il y a tout. Il y a tout, 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 tout. Et je sais pas, avec le temps, maintenant, j'aime bien. Maintenant, j'aime bien. Et je suis contente d'être ici parce que, comme je dis toujours, j'aime la vraie vie. Hein? Les hôtels de luxe et tout, c'est bien et tout. Ce que je voulais cette fois-ci. Mais bon, écoute, s'imiter, ça n'a pas marché. Et puis, c'est pas mal non plus. C'est pas aussi grave. C'est pas la fin du monde. Ça va. Le soir, j'avais envie d'écouter la musique, boire un verre et je suis sortie faire un tour.
Dans les endroits un peu plus calmes et plus touristiques, les boissons sont très chères. Les cocktails à partir de 10 dollars. Juste derrière mon hôtel au quartier Cinco de Mayo, Château Rouge de Panama, c'est moins touristique, mais ça bouge un peu plus et c'est très mouvementé. Les boissons sont à partir de 2 dollars. J'ai un peu écouté la musique comme je voulais et j'ai pas tout traîné, je suis rentrée dormir. Ici, j'utilise deux devises, le dollar américain et le balboa panaméen. Moi, j'avais des dollars pour ne pas me prendre la tête avec les calculs. Je suis allée manger au Mercado de Marisco. Ils font que des fruits de mer ici. C'était délicieux. Je ne suis pas fan de la cuisine latino-américaine, mais le poisson ici à Panama, tacos. J'avais vraiment envie de manger avec mes mains parce que les couverts en plastique me servaient à rien du tout. En tout cas, si vous venez un jour à Panama City, n'oubliez pas de passer par ici. J'avais commandé le tilapia et manioc frit avec crevettes et une bière, tout ça pour 18 dollars. Juste après avoir mangé, je voulais aller à la plage, mais non. Il a commencé à pleuvoir et j'ai passé la journée dans ma chambre. Le lendemain, je me suis levée tôt pour aller prendre des photos à Casco Viejo, la vieille ville de Panama City, parce que j'avais peur qu'il pleut encore et on sait jamais ici. L'après-midi, j'ai quitté la ville de Panama City pour aller en province, à Colón. On m'avait dit que là-bas, on trouve beaucoup plus des Afro-Latinos qu'à Panama City et que c'était aussi une très belle ville. J'ai pris le bus et j'ai payé 3 dollars pour un trajet d'à peu près 2 heures. Bien arrivé à Colón. C'est vrai, ici il y a beaucoup plus d'Afro-Latinos qu'à la capitale. Excusez-moi, mais j'ai complètement oublié de filmer ma chambre d'hôtel pour vous montrer. Mais c'était pas mal, dans un bon quartier, j'ai payé 35 dollars la nuit pour une suite. Bon, wana suite, yandenga kuna. Après avoir déposé mes affaires à l'hôtel, je voulais me coiffer, mais ils m'ont demandé 100 dollars pour des nattes. Et pardon, c'est trop. Je suis après allée faire un tour pour visiter la ville de Colón by night. Toujours la même routine, hein, après mon check-in à l'hôtel, vous connaissez déjà. Gracias.
vraiment beau ici. Je préfère Cologne que Panama City. C'est plus familial et chaleureux ici. Je me sentais très à l'aise. Plus tard, j'avais faim et on m'a recommandé un endroit où manger du bon poisson. Et en plus, je me suis fait une nouvelle copine ici. C'est ça quand on voyage seul. On est plus ouvert à faire des nouvelles connaissances. Les Panaméens aiment la bière, comme nous les Congolais. Ils offrent même des seaux, comme à Kin. J'ai payé 16$ pour le poisson frit avec crevettes, des plantains et deux bières. On est samedi matin. Je devais quitter Cologne pour aller à Portobello, une autre ville à peu près 1h30 de Cologne. La vraie raison de ma visite ici à Panama, c'est de découvrir la culture Congo. J'avais planifié d'aller à Portobello aujourd'hui parce qu'il y avait une grande fête où tous les habitants allaient s'habiller en tenue traditionnelle et danser, faire la fête dans la rue du matin jusqu'au soir. Mais j'ai raté. Tout ça à cause des grèves et manifestations. Il n'y avait pas de bus et pas possible d'aller en taxi parce que les routes étaient fermées et je dois attendre jusqu'à demain. C'est-à-dire je rate cet événement. Oh my God. Normalement, quand je voyage, j'arrive à tout faire quand je planifie les choses. Mais là, rien ne marche comme prévu. J'étais vraiment déçue parce que j'ai rien fait de spécial de ma journée. Enfin à Portobello. C'est un petit village où les Afro-Latinos sont majoritaires. J'ai commencé par visiter le village et je suis allée à l'église de San Felipe. Et waouh! Je vois la statue du Christ noir. Impressionnant. Certes, les Africains adoraient des dieux différents, mais on connaissait et on croyait en Dieu aussi. On connaissait Jésus-Christ, même avant que les Blancs arrivent en Afrique. Ils sont venus nous imposer le Christ selon leur image, un vrai lavage de cerveau. En tout cas, pour ceux qui croient que Jésus-Christ était blanc avec des yeux bleus, allez lire la Bible. Il y a la description de son physique. Dehors, devant l'église, j'ai croisé une femme âgée. Malheureusement, elle ne voulait pas que je la filme. Quand je l'avais dit que je suis congolaise, elle m'a pris dans ses bras. La plupart des afro-descendants à Panama viennent du Congo. Pas tous, mais une très grande partie. Et on les appelle los Congos, le peuple Congo. D'ailleurs, pas seulement à Panama, mais dans beaucoup d'autres pays aussi. Elle m'a dit qu'à l'époque, les esclaves arrivés à Panama ne voulaient absolument pas se mélanger avec d'autres races. Ils voulaient garder leurs croyances, spiritualité, leur danse, leur musique, leur culture, la culture Congo. Elle dit « un peuple sans identité et un peuple mort. Et notre identité, c'est le Congo. » La musique et la danse Congo est très importante parce que chaque chanson raconte une histoire. Tous les dimanches sont dédiés aux enfants. Après l'église, les parents prennent le temps d'enseigner leurs enfants sur la culture Congo, l'histoire d'où ils viennent et la danse, bien sûr. Oh, hey! Ok! Oh, wow! Wow! Ça m'a tellement touchée de voir des enfants de 8 ans, 9 ans qui connaissent l'histoire de la reine Zinga, par exemple.
Et nandenga mabete mais les Congolais doivent faire un effort. Pas tous, mais la plupart des Congolais ne s'intéressent pas à leur propre histoire et culture. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne connaissent même pas leur tribu, ethnie, leur village ou même parler Lingala, Swahili ou Kikongo. Ils savent même pas c'est qui Simon Kimbangu, pourquoi il a été emprisonné pendant 30 ans par exemple. C'est l'histoire. Si toi et tant que parent, tu ne fais pas d'efforts, qu'est-ce que tu vas apprendre à ton enfant? Zéro. Honte à vous. Le savoir, c'est une richesse, un pouvoir. Botala Baninga, ils font ça pour garder leur culture à vie. J'ai passé toute la journée dans la maison de culture et art Congo. Là-bas aussi, ils m'ont expliqué leur histoire et en tant que Congolais, ça m'a beaucoup touchée. Juste après, j'ai participé à la répétition des jeunes et vous me connaissez déjà un peu. J'étais obligée de participer, m'habiller comme eux et apprendre la danse Congo. Malgré que mon voyage ne s'est pas déroulé comme je voulais, je ne regrette pas du tout mes vacances ici et j'ai passé une super journée à Portobello. J'ai beaucoup appris et j'ai gardé des souvenirs qui me restent à vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser un commentaire. À très bientôt pour le prochain vlog à Cuba.